Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de The Witcher 2 et nous sommes partis pour la suite de la vidéo. L'objet artefact magique, je sais plus, en tout cas c'est la suite de la partie 1 qui a malheureusement été entrecoupée par la mission La Vie Souterraine, donc voilà. J'ai pu crafter évidemment ma super épée de la folie que j'avais besoin. Voilà, celle-là. Donc comparé à l'ancienne, examinée, améliorée, du coup l'ancienne. Là, je crois que c'était celle-là. Elle faisait 8-16 en dégâts et celle-là fait 18-24. Voilà. Donc comparé, il n'y a pas photo. Tiens, j'ai pas pensé. Est-ce que je peux l'améliorer? Non, j'ai aucun objet pour le moment. Ok, donc on va aller essayer de trouver Cécile. Je vais regarder la carte. Où est-ce qu'il est? Il a l'air d'être chez lui. Ok. Bon. Je vais ajuster le chemin. Je passe là. Ah non. Ah si, d'accord, je remonte par là et puis je passe en dessous. Ok. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Ok. Je commence à connaître un peu la ville, à comprendre un peu comment fonctionne la ville. C'est vrai que quand je suis arrivé là, c'était le gros bordel, parce que je connaissais rien du tout. Mais là, vu que je tourne un peu dedans hors vidéo, pour essayer de trouver les matériaux, les machins qui permettent de crafter un peu les équipements. C'est pas si mal que ça en fait. Je commence à comprendre le principe. Voilà, parfait. Donc, pour petit récapitulatif de la vidéo précédente, enfin de deux vidéos précédentes, si vous ne l'aviez, enfin, si vous ne les aviez pas vues, vous ne les avez, vous ne les aviez, je ne sais plus. Petit récapitulatif, on a découvert un artefact en tuant des harpies à un certain endroit. Apparemment, c'est pas assez puissant pour guérir celle qui est malade, je sais plus son nom. Donc, du coup, on est obligé de trouver un artefact plus grand, plus magique, voilà. Bref, donc on va demander si on peut l'ouvrir la porte de la mine, c'est ça, de l'ancienne mine, pour pouvoir aller trouver les autres artefacts. Ou artefacts, je sais pas, moi je dis artefacts, bref. C'était pour la petite histoire. Je dois atteindre le nid de harpie, voilà. Je dois accéder au nid des harpies. C'est non. Je sais tout des harpies et des rêves qu'elles volent. J'en ai déjà trouvé un, mais il est trop faible. Il m'en faut donc un plus puissant. Alors, s'il vous plaît, mon cher et bon monsieur, ouvrez cette putain de porte. Écoutez, je veux que Saskia se rétablisse, mais pas si ma ville doit devenir un vrai chaos à la veille de livrer bataille à Henselt. Mon grand-père a condamné cette porte pour une bonne raison. Imaginez que les rêves des uns soient révélés aux autres. Les Scoia'tael, la noblesse des Dirnes, les paysans, les nains, chacun voyant les fantasmes des autres. Quelle horreur! Cela sonnerait le glas de Vergen. Et ce n'est pas tout. D'après la légende, le rêve le plus ancien peut devenir réalité. Je ne veux pas que des cauchemars rôdent la nuit dans Vergen. Ouvrez-la, je ferai vite. Vous jouez les prétendants ivres, ça me chagrine. Quand je dis non, c'est non. Peut-être ai-je omis de vous dire que le rêve que j'ai trouvé un peu plus tôt vous appartient. De quoi vous parlez? Donnez-le-moi. Je comprends votre embarras et votre peine. Dans votre situation, c'est même un handicap politique. Certains vous traiteraient de monstre. Après tout, vous perpétuez une vieille tradition, l'autorité des anciens. Ajoutez à cela le fait que vous orchestrez les préparatifs de la défense de la ville. Vous n'oseriez pas. Imaginez la tête barbue de vos ancêtres vous regardant avec mépris plutôt qu'avec fierté. Qui sait, vous garderez peut-être votre place. Mais on parlera de vous pendant des années. Et votre neveu, pauvre petit. J'ouvrirai la porte. J'ai juré à la mère de Scalen d'être sobre comme une jeune fille jusqu'à la fin de mes jours. Et je tiendrai ma promesse. Je me fous des vieilles traditions et encore plus des rumeurs. Mais vous avez raison, je ne dois pas miner le moral de Vergen. Enterrez ça, emportez ce secret dans la tombe, n'en parlez jamais à personne. C'est compris? Oui, je vous remercie, l'ancien. Bon courage pour votre promesse. Ah, il a toujours le petit, la petite phrase qui fait que ça aide. Hein. Alors, tiens, là, je peux fouiller. Des thunes, de la thune! Ah, il y a un coffre. Ce qui est génial dans les RPG, c'est que tu peux vraiment prendre tout ce que tu veux dans les maisons des autres personnes. C'est absolument normal. Il y a personne qui s'inquiète de rien du tout. C'est comme si quelqu'un rentrait chez toi, il prenait ce qui l'intéressait, puis il se casse. Et toi, tu dis rien, tu le regardes, tu lui fais bonjour, voulez-vous une pâte?
Bref, alors j'ai remarqué qu'on pouvait se faire couper les cheveux, donc du coup je vais essayer d'aller vite faire ça, c'est juste pour le fun, hein. C'est pas, y a pas de grande utilité, hein. Mais est-ce que je vais pouvoir descendre? Ah non, évidemment je peux pas sauter par là, donc je vais devoir faire tout le chemin inverse. Ça c'est un gros 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 défaut du jeu, c'est qu'il n'y a pas de saut. Donc du coup, il n'y a que l'esquive en combat, et c'est pas franchement ça, hein, mais bon. Il a d'autres qualités, donc je vais pas trop cracher dessus non plus. Allez. Où est-ce qu'il était déjà la coiffeuse? Enfin, si ça s'appelle comme ça. Hein. Ah, je crois que c'est elle. Non, c'est dans. Ouais, je crois que c'est elle. N'essaie même pas. J'aimerais changer de coupe. Alors, je voudrais une queue de cheval. Non, queue de cheval d'écureuil. Queue de cheval basse, ouais. J'aimerais avoir les cheveux à la mode elfique. Une natte de nain, s'il vous plaît. Je pense qu'une coupe de marin. Je voudrais une coupe. Queue de cheval rasé sur le côté. On va essayer ça. Ah, les garces, c'est cher. On va voir la tête qu'il a avec. Ah, c'est. Ah, je trouve que ça lui va pas trop mal en plus. Ça lui va pas trop mal. Tiens, je vais demander autre chose. J'aimerais changer de coupe. Tiens, je voulais essayer la natte de nain. Merci. Ouais. Ouais, quoique ça lui change pas vraiment grand chose en fait, hein, quand on regarde. Je vais faire ça. Voilà. Bon. Allez. Allons voir ça. J'ai l'impression que ça la rajeunit cette coupe de cheveux. Salut toi. T'es qui? Qu'est-ce que tu vends toi? Alors je sais, je ralentis toute la vidéo, mais c'est voilà. C'est bon, c'est fini, je vais taper de la harpie, il n'y a pas de problème. Tiens, est-ce que c'est par là au moins? Je vais bourriner de la harpie, si vous voulez. Ouais, si c'est par là, d'accord. Là, il est bien au centre. Ok. Est-ce que j'ai des bombes ou des trucs comme des pièges, non? C'est quoi le signe que j'ai pour le moment? Un sort flamboyant qui. Bon, ouais, je vais laisser ça pour le moment. Il faudra que je prenne le sort de contrôle. En tout cas, j'ai une nouvelle épée. Tu as un truc là? Ouais, c'est un vendeur. Ok, d'accord. On reviendra après. Donc j'ai une nouvelle épée. J'espère qu'elle va faire bien des bons dégâts. Du coup, je passe de. Je crois que je suis passé de 14. Ouais, 14 à. Non. 14 à 18 à de 16 à 24, je crois. Une épée comme ça. Ah, c'est utile, hein, ça aide. Du coup. Ah, c'est par là en bas. Est-ce que je peux prendre le chemin là? C'est un chemin ça ou... Ah oui, ça a l'air, ok. Ça va être par là que je dois aller, mais c'est pas là, d'accord. Ah, je connais pas encore bien la map, hein. Du coup, le premier coin, je l'avais fait en... Enfin, je l'avais... Ah, tiens. Je l'avais déjà fait, hein, pour ceux qui ont suivi les vidéos. Après, maintenant, c'est vrai que là, je nage. Alors là, il y a du sang, mais. Ouais, j'ai peut-être ramassé en fait. Donc, du coup, voilà, je nage dans la panade. J'essaie de me débrouiller comme je peux. Ah, mais de toute façon, The Witcher 3 sera encore pire. Hein. The Witcher 3, on va se retrouver avec de la folie. De la folie furieuse. Ça va être la folie en tout cas, ce jeu. Et sera un peu comme. Comme Tessa, hein. Donc ça va être les deux jeux qui vont arriver sur la chaîne là, dans The Witcher dans 2 semaines et Tessa dans un mois. Tout cas, j'espère que ça vous plaira. Yeah, je peux passer sous la grande arcade. Pour une fois que t'as la liberté de choisir le chemin que tu veux prendre, hein. C'est pas, c'est quoi ça? Oula, ça je sens pas du tout. Fouiller les grottes à la recherche d'un artefact. Ah oui, non, d'accord, c'est qu'en fait, c'est un autre chemin. D'accord. Ah, mais je suis déjà venu ici en fouillant, ici, hors caméra. Je crois que j'ai parlé au gars qui était là. Ouais, c'est ça, j'ai parlé à ce mec qui était en slip. Pour vous servir, où allez-vous?
Et du coup, il m'a demandé de choper des plumes de harpie. Ah, bah oui, bah du coup, ça se rejoint. Waouh, c'est classe. Franchement, ça a de la gueule, hein. Oh, et le 3 sera Mon encore plus beau, médaillon, c'est fou, quoi. encore. Ouais, ton médaillon, ouais. Mais du coup, il fait rien, ton médaillon. Parce qu'à chaque fois qu'on s'approche d'un objet un peu bizarre. Ah. Salut les filles, vous allez goûter à ma nouvelle épée. On va voir ce qu'elle fait. Un piège magique qui mobilise. Oh la vache! Pour ceux qui ont vu la vidéo, il y a deux vidéos en moins. Il y a deux vidéos en retard. J'en chie vachement moins, quoi. Là, du coup, je les dégomme, mais c'est d'une facilité. Enfin, d'une facilité. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est que c'était bugué. Et avec mon armure draconique, c'est encore plus facile. Oh, je m'éclate. Oh oui, c'est bon. Du coup, je peux sauter là ou pas? Non? Il y en a d'autres? Ouais, là-bas certainement. Allez, venez les gonzesses, on va se marrer. Viens, viens, toi. Tu vas rien comprendre ce qui va t'arriver. Elle a l'air un peu plus forte que les autres, non? Ah. Oh, ce carnage! C'est bon? Fini cette histoire? Tu peux ramasser ou pas? Ouais, du coup, je peux pas ramasser. Ah, si, voilà. Ça c'est pas pratique hein. Alors on change en épée, voilà. Ah d'accord, ok, j'ai compris pourquoi je peux pas fouiller. Là là. Espèce de glouglou va. Pour ceux qui connaissent Astérix. Astérix, Astérixme. Astérix, hein? Oui, Astérix. J'arrive à même me douter de ma propre. C'est pas grave, tout va bien. Donc voilà, ça fait vraiment le bruit d'un glouglou. Je vais te tuer avant que les autres arrivent de toute façon. Alors, je comprends pas, elles volent, mais elles arrivent par le chemin. Ah, il faudra m'expliquer aussi comment ça fonctionne cette histoire. Hein. Elles sont quand même un peu nombreuses, donc du coup je vais pas trop faire le malin parce que. Il y en a qui ont l'air d'être différentes en fait, qui ont l'air de faire beaucoup plus de enfin, ils ont beaucoup plus de résistance. Oh, mais elles me font quasiment plus aucun dégât avec la fameuse armure. C'est top. Tu peux ramasser s'il vous plaît? Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est pas grave. Bon. Non. D'accord, ok. J'ai compris, c'est ma faute. C'est ma faute. Ah ah! Tu veux tâter de ma lame? Oui, j'ai même petit temps avant de la sortir celle-là. Ça arrive. Faut pas sortir des bonnes blagues à chaque fois, hein, il faut me comprendre.
Ouais, parce que je suis plusieurs dans ma tête, alors je parle de moi au pluriel. C'est ça? On est plusieurs dans ma tête. Mais bon, c'est moi qui contrôle les autres, donc ça va. Tant que j'ai contrôle, ça se passe. Le médaillon me met en garde. Ouh, j'ai vu. Attendez, par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces trucs là? Ces pierres? Ça fait quelque chose? Est-ce que ça fait quelque chose ou pas? Non, je sais pas, de toute façon, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce machin en haut? On dirait un. Médaillon. Ouais, j'en ai aucune idée. Ah, c'est peut-être de là que vient la fameuse brume. J'en ai juste pas plus que ça. Cercle de pouvoir, c'est cool ça. Botte militaire. Ah, attendez, parce que là, ça m'intéresse. Botte militaire. Tiens, viens ici, toi. Botte militaire. Ah, mais j'en ai déjà. Ils sont déjà équipés? Botte de cuir. Ah, et non, d'accord, ok. Botte militaire. Ah, il faut que je les compare. Comparer. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ouf, ouais, non, c'est pas si intéressant que ça, en fait. Ah, quoi que si. Si, si, c'est en épique, et du coup, j'ai des bottes magiques. Ok. On va les équiper. Utiliser. Voilà. Allez, on est reparti. Histoire d'être encore un peu plus fort. Mais je comprends pas ce que c'est, ces fameuses pierres, là. On dirait des, faut que je fasse un truc dessus. Peut-être des bombes ou un truc comme ça, non? J'en sais rien. Bon, je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Oh. Bon, c'est maintenant que ça va chier, je pense. C'est maintenant que ça va être long. Alors. Ah, d'accord, ok. Alors dans un truc renfermé comme ça et limité, ça va pas être la folie, je pense. Ah, dit que je bourrine la touche. C'est normal, c'est normal. Voilà, merci, suivante. Tout ce que vous avez en stock? Je sens que je vais pouvoir revendre tous les ingrédients et me faire un bon petit stock de matos, moi, ça va être bien. Voilà, suivant. Salut toi. Aura armure de cuir. Oh, à mon avis, elle doit être moins bonne que la mienne, hein. Pas déconner. Ah, Ah, si, oui, non, je dis n'importe quoi, en fait. Plus 48%, je double quasiment le pourcentage de magie. Ah, qu'est-ce que c'est beau. C'est beautiful. Par contre, je fais quoi, là? Je dois sauter? Je dois plonger, je sais pas. Ah, d'accord. Vas-y, vas-y, défonce, défonce. Voilà. Bon, une fois que t'en... Ce qui se passe dans le jeu, c'est... Le système de combat du jeu, entre guillemets, hein, est très très facile une fois que t'as ce qu'il faut pour le défoncer. Bah, ça peut paraître con, mais bon, vous voyez que dans les vidéos précédentes, j'avais pas un équipement adapté, une épée en argent vraiment vraiment pas top. Je mettais des plombs à tuer tout ce qui passait. Alors que là, j'ai qu'à bourriner le... frappe forte et frappe rapide avec un signe qui capture le signe le signe Irden, ouais, voilà, avec ça et je les gère toutes, quoi, sans problème. Voilà. Ce qu'il faut, c'est être bien équipé. Voilà, un bon équipement, ça te change la vie.
Qu'est-ce qu'il vole? Ah, sauter, c'est ça? Ah, je dis pas comment ça va être chiant pour remonter, tiens. Ah, je suis coincé! Suivant! Je fais le malin, mais bon. Après, je sens qu'il va y avoir un gros gros monstre à la fin. Sexe. Ça pue ça. Ça sent pas bon ça. La tête du roi, porte-la à Sheila. Tu sais où la trouver. Elle te récompensera et te dira que faire. Elle est lourde. Si je dois traverser la forêt avec, comment je fais pour dégainer? Vas-y sans armes, en civil, fais-toi discret. Mais si on te demande, tu apportes des saucisses à la magicienne. On la repère de loin, et puis elle pue le vinaigre. Il faut que je trouve un sac épais. Arrête un peu de te plaindre, le temps presse. La tête du roi, la magicienne. Donc du coup, il a porté la tête à la magicienne, donc c'est théoriquement la magicienne qui a mis le contrat sur le roi, quoi. Si je comprends bien le principe, hein. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Oh là là, on se calme les filles. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Et qu'est-ce que je viens de faire là? Là, je viens de balancer le truc à Outsipou, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Ah, tu tapes pas la bonne. C'est elle qu'il faut taper, voilà la grosse là. Voilà, continue, bourrine, bourrine, bourrine. Voilà, tiens, viens ici ma belle, à nous deux. Et voilà, et c'est qui le patron, bande de moules. Du coup, le cristal, je l'ai pris ou pas? Jeu de harpie, cuir durci. Il y a plein de trucs pour me crafter, ben ça je pense que je vais tout. Le seul truc que j'ai pas envie, c'est que j'ai trop. J'ai combien? 268, ouais, il faudra voir ce que ça vaut. Du coup, maintenant je viens par là. Par là. Et voilà, bim bim bim. Ensuite. Non, ça va pas l'air d'être là, on va continuer. Allez, grimpe. Voilà. Du coup, parce que là je comprends rien du tout au chemin. Hein. Ah, d'accord. Non, je viens de par là, c'est ça? Ok, donc c'est juste là. C'est là, ouais, mais je viens, mais. Parce que là je comprends pas le chemin. Ah là, c'est ça? Là faut que je... Putain mais... Attendez. C'est pas possible ce truc. Je viens de là.
Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que t'es... Ouh là, la vache. Ah, laissez-moi partir. Voilà, on va les contrôler comme ça. Pourquoi je prends cher là? Voilà. Ah, moi aussi ça peut m'aider les murs hein. Putain, voilà, réfléchis moins là hein. On est vraiment comme... Ouh là là, vache. La vache, la vache. Allez viens grosse. Elles font très très mal. Elles font très très mal quand même. Putain la vache. On va se quitter là et on se retrouve pour la suite. Je reviens. Bon, deuxième édition. Ils n'apprendront donc jamais. Ça c'est chiant ça. Je vais peut-être utiliser une autre tactique, vu qu'elles aiment pas la vu qu'elles aiment pas le feu. Ce serait pas une idée de... Ça leur fait quelque chose? Non, apparemment pas, d'accord. Ok, on va les ralentir. Voilà, ça c'est une bonne technique ça. Il est bloqué. Vu qu'il n'y a pas l'espace, à la 300. Ça c'est la technique à la 300. Pour ceux qui ont vu le film et qui connaissent un peu l'histoire. Hein. Je pense que c'est assez compréhensible. Voilà, ils affaiblissent au fur et à mesure comme ça. Allez, venez. Allez, une après l'autre. S'il faut que j'y passe 10 minutes, je passerai 10 minutes, mais au moins. Ah, je veux pas ça. Toujours rester bien loin quand même. Hein. Allez, voilà. Ah, allez, défonce-le. Enfin, défonce-le. C'est pas la bonne, là. Thank you.
Voilà, c'est bon. Oh la vache. Ça va être comme ça pour tous les trucs ou quoi? Bon, la suite. Eh ben dis donc. La tête du roi, porte-la à Sheila. Tu sais où la trouver. Elle te récompensera et te dira que faire. Elle est lourde. Si je dois traverser la forêt avec, comment je fais pour dégainer? Vas-y sans armes, en civil. Fais-toi discret. Mais si on te demande, tu apportes des saucisses à la magicienne. On la repère de loin, et puis elle pue le vinaigre. Il faut que je trouve un sac épais. Arrête un peu de te plaindre, le temps presse. Ah mais j'ai déjà vu ça. Et c'est quoi le principe? Alors je fais comment pour... Attendez, hein, je comprends pas bien le système. C'est qu'il y a d'autres, il y a d'autres grottes, il y a d'autres endroits. Allez. Niveau supérieur, mais bon. Pourtant, c'est exactement le même morceau. Enfin, c'est le cristal que j'ai ramassé tout à l'heure. C'est ça que je comprends pas en fait. Ah non, d'accord. Cristal rouge. Ouais, d'accord, normal. Du coup, à chaque fois, faut que je retourne parler à Triss. Ok, d'accord. Donc, apparemment, c'est le truc qu'il faut. Bon, j'ai pas très bien compris ce qui se passait, mais allez, je vais prendre mon niveau. Alors, deux talents, ça va être bon, ça. Du coup. Je pourrais faire 1 et 2 et devenir encore meilleur, quoique je pourrais faire 1. C'est quoi sa violence? Niveau de compétence, dégâts à l'épée plus 5%, ouais. Garde, c'est quoi quantité de vigueur requise pour bloquer les coups? Ouais, je bloque pas souvent. Hein. Vigueur du temps de vigueur, ouais. Alors, alchimie, j'utilise jamais. Mais quand je dis jamais, c'est jamais un jeu. Je vois pas l'intérêt en fait. Ah, dégâts infligés par les bombes. 30%. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'utilise pas parce que je sais pas vraiment l'utiliser en fait. Alors, un niveau de compétence, d'accord. C'est quoi ça, 1-1? Là, j'en ai pas encore pris. Voilà. Donc, du coup, signe. Ah, mais de toute façon, je suis obligé de prendre ça. Voilà, c'est bien. Ok, bon ben voilà. Donc c'est quoi que j'ai amélioré? Déverrouille le niveau du signe, donc l'allié est temporairement, ouais d'accord, et sinon c'est quoi? Dévie 20%. Ok, donc c'est le bouclier. Non, c'est ça? Kin, c'est lequel Kin? Ok.
Tarkin. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Allons parler à cette... si je trouve un jour le chemin. À force de tourner en rond ici. Y a un ennemi là? Non, je sais pas. Bon. Vous êtes trop chargé, ça c'est chiant ça. Ça vaut combien ça? 45. Trophée. Ah, je crois que j'ai un trophée, non? Ouah, trophée de harpie, tout ça, ça me sert strictement à rien, tout ça. On va lâcher un peu. On va lâcher toute cette merde là. Voilà. Ouais, hop. Je veux juste sortir en fait, hein. Ah, là. C'est ça. Il me semble que c'est ça. Voilà. Bon. Parler à Triss. Parler de Triss, ça finit pas. Ah oui, là, c'est ça. Ouais, parce que je suis pas très doué hein, pour. L'orientation dans les jeux, généralement, ça se passe bien. Mais c'est vrai que dans celui-là, j'ai du mal. J'arrive pas à savoir où est mon chemin. En même temps, c'est des zones fermées, mais très très peu linéaires. Donc... Ah, il y avait un cristal là. Oh, rien à foutre, hein. Je pense que le rouge c'est bon, puisqu'il me dit parler de Triss, ça finit pas. En fait, est-ce que la quête du coup est finie en fait? Ah oui, la quête est finie en fait. Ok. Une affaire de vie. Du travail dans les mines, ouais. Du genre pagaille. Je crois que c'était ça avec les 60, hein, 60 plumes de harpie. Ça se trouve, en fait, je suis en train de tourner là pour rien, parce qu'apparemment le cristal c'est bon, ça c'est fait. Il y a un autre cristal là, mais je vois pas l'intérêt de le ramasser. C'est que j'ai dû le louper en fait. Ouais, mais c'est bon, je veux juste partir. Donc en fait, je crois que j'ai fini la mission. Je tourne en rond pour rien là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire en fait? Ah oui, ça, si Philippe va dans le crocodile, je pense que le sorcier s'en fâche. Il lui fallait du sang royal. Au sens c'était un neuf. Ok, donc je vais m'arrêter là, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, c'est vrai que la première faisait déjà 25 minutes. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le petit commentaire, on se retrouve en ville, je suis désolé, c'est vrai que je fais n'importe quoi là. Allez, à plus tout le monde, salut!